Paul Malter. Paul Malter. Paul Malter. Paul Malter. Et Paul Malter. Paul Malter. Et Paul Malter. Et Paul Malter, reportage. Marcel Roux, 60 ans, pré-retraité, garagiste à Montanay, le fief de Gaston Phébus, un petit coin paisible aux confins du Béarn et de la Bigorre. Marcel Roux, 60 ans, le doyen des pilotes de rallye, un dingue de la compète, 30 ans de course, 15 rallyes par an. Un bien pour moi, c'est un bien, que j'adore le sport automobile, le rallye en plus, faire tout ce que je fais, et puis c'est ma passion. Je consacre tout dans l'automobile. Autour de 40 000 euros par an et la totalité de ses congés en moyenne 30 jours. C'est en quelque sorte la revanche de l'apprenti mécano devenu patron. J'ai commencé par une Dauphine, Dauphine que j'avais pour rouler tous les jours. Et après, je me suis monté une berlinette. Et puis, depuis 83, j'ai cette fameuse ceinture bleue que je ne peux pas me séparer. Car Marcel a deux amours, sa femme et sa R5 Turbo. Un monstre de 300 chevaux né il y a 21 ans et reconstruit trois fois. Ma voiture est assez vicieuse dans les petites routes. Elle change vite de trajectoire là où il ne faut pas. Illustration sur cette image, Marcel était parti pour faire une toupie et le caméraman l'a cru. Oh putain! Une petite chaleur et ça repart. Au temps de sa splendeur, Marcel a collectionné une cinquantaine de trophées en France et à l'étranger. J'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Italie, c'est des rallyes où j'ai été accueilli, on a fait des rallyes superbes. Et puis ici en France, j'ai fait des finales de Coupe de France. Un engagement, une impétuosité qui ont probablement détourné ses deux fils des milieux de la mécanique. L'aîné est éleveur de canards et de poulets. Quant au second ? Le second, il est dans la haute couture, il est styliste dans la haute couture. Et il pilote pas ? Il n'a même pas le permis, il a 31 ans, il n'a pas le permis. Reste la question, jusqu'à quand Marcel va-t-il courir ? Tant que je me sens bien, que je ne me fais pas de frayeurs, on s'en fait quelques-unes de frayeurs, mais c'est normal. Et pour le moment, je vais continuer.